Hi, I'm Johnny Engineer Turmel, and I'm going to tell you about an upcoming case on the 9th of March. James Turner in Ottawa motioned to quash his marijuana possession and cultivation charges. This is going to be a video from VTV in Gatineau, Quebec in French, and I'll be doing some translation. Mon nom c'est John Turmel, l'ingénieur pour la MedPot, et nous allons avoir une requête pour casser les accusations contre James Turner pour la culture et pour la possession de marijuana à Ottawa le 9 mars. Ça, c'est une explication de sa cause qui était sur VTV avec Pierre-Jean Séguin. On a bien connu John Turmel est en train de semer la pagaille dans le système judiciaire canadien. M. Turmel a ciblé des failles dans les lois ayant mené à la condamnation de milliers de personnes pour possession et culture de marijuana. L'affaire est complexe, mais plusieurs faits tentent à démontrer que M. Turmel a peut-être raison. Voici l'entrevue. Okay, he said, well-known activist John Turmel is sowing disorder in the judicial system. He's targeted flaws in the law that resulted in thousands of convictions for possession and cultivation of marijuana. It's complicated, but several facts seem to show that Mr. Turmel may be right. Activiste pour marijuana, ça vous choque pas quand on vous dit ça? Pas du tout. La marijuana, ça repousse des cellules cérébrales, puis c'est bon pour l'Alzheimer, et ça tue le cancer. Puis ils viennent juste de l'avouer, les menteurs. Donc, si vous avez des amis qui sont morts, blâmez le gouvernement qui ont prohibité la médecine qui leur aurait sauvé. So he asked, are you insulted to be branded a pro-marijuana activist? And I said, no, marijuana regrows brain cells. It's good for Alzheimer's. It kills cancer. They've just admitted, the liars. So if you have friends who died of cancer, blame the guys who banned the medicine that could have saved their lives. Revenons à votre croisade. Ce que vous faites en ce moment, vous essayez d'aider des gens qui sont accusés oui. d'avoir produit de la marijuana, du cannabis, ou possession. Ou possession. N'importe quoi. En vertu de lois qui étaient inconstitutionnelles au moment où oui. ça s'est passé. Racontez-moi okay. ça. En 2000, l'épileptique Terry Parker, il a fait casser la loi. La cour a dit qu'une loi contre sa médication pour son épilepsie, c'est contre la Constitution. Donc, ils ont dit que nous avons allons abattre la loi, mais nous suspendons notre décision pour une année pour donner au gouvernement la chance de créer des exemptions. Donc, après un an, ils ont émis les règlements pour les exemptions. Et ils ont dit que ça marche. Alors, 2 ans plus tard, la cour a dit « Ah, il y avait des erreurs, des défauts là-dedans, puis ça n'a pas marché. » Donc, ici, nous avons la décision Parker, le 1er août, ils ont dit qu'il faut... Quelle année, c'est encore? 2001. En 2000, il a gagné. Un an plus tard, en 2001, ils ont annoncé la nouvelle exemption. Mais 2 ans plus tard, ils ont dit que, oh, il y avait des défauts. Donc, l'exemption ne marchait pas. Donc, la loi ne tenait plus. Well, c'est la loi en rouge. En d'autres mots, si l'exemption, s'il y a des lumières vertes pour les malades, il y a de la lumière rouge pour tous les autres. Mais la Cour JP a dit que lorsque l'exemption n'existe pas et est défectueuse, ça veut dire que la prohibition est défectueuse. Donc, pendant ces 2 ans-là qui ont avoué que l'exemption était défectueuse, ils ont fallu laisser tomber les 4000 accusations contre toutes les gens qui ont été accusés dans ce période ici. So he said, in your crusade, you're helping people who've been charged for marijuana, possession, cultivation, I said any charges, because the law is unconstitutional. So I now explain that in 2000, the Terry Parker court ruled that the law against his medicine was unconstitutional, and they had to provide sick people with an exemption. They suspended the decision 1 year to give the government the chance to set up an exemption system. 1 year later, the MMAR was issued, and 2 years later, the courts found it had flaws and it wasn't working right. So there was no workable exemption in that period. And then he said, and so the law was struck down too. And I say, yeah, it certainly was. I said, if the green light, the exemption for the sick, isn't working, the reds are off for us too. So the JP Court of Appeal said, when the exemption is defective, prohibition is defective. So for those 2 years, with the exemption flawed, they dropped the remaining 4,000 charges against everyone in the period when the exemption wasn't working.
Et c'est clairement parce qu'il y avait des incohérences au niveau de la loi que les 4000 accusations sont tombées. Oui, dans l'exemption. L'exemption pour les malades ne marchait pas, donc la prohibition pour tous les autres ne marchait pas. Donc, deux mois après que la Cour a abattu les deux conditions, ils ont dit que la Santé canadienne a dit qu'un patient par pousseur et trois pousseurs par jardin. Well, la Cour a dit ça, ça coûte trop cher, c'est pas bon, ça fausse l'exemption. Donc, on abat ces conditions-là. Plus de conditions sur le nombre de patients par pousseur et le nombre de jardiniers par jardin. Well, immédiatement après ça, deux mois plus tard, Santé Canada ont remis les deux limites. So, he says, so clearly because of errors in the law that those 4,000 charges were dropped. And I said, yes, when the exemption for the sick didn't work, the prohibition for everyone else didn't work either. Then I explained that 2 months after the court struck the two conditions, and they were that Health Canada had said you can only have one patient per grower, and you can only have three growers per garden. And Health Canada said that's unreasonable, that limits supply, makes it cost ineffective, uneconomical, and they struck down those limits. Well, 2 months later, they put them back. So we're saying that, guess what? They've put back the rules, the limits that were unconstitutional, and since then we're arguing that the law's been dead again. Well, in the Svetkopoulos case at the federal court, at the Supreme Court of Canada, the Crown Attorney Sean Godet argued to the court that, hey, if you guys say the exemption wasn't working for the last 6 years, they're going to argue that the prohibitions weren't working for the last 6 years too, like the last time. Yes. Qui ont juste été avoués pas démocratiques en disant que bon, maintenant que nous avons des provisions pour les malades, nous provenons la marijuana pour eux, ça veut dire qu'on peut maintenant remettre des conditions sur les jardiniers. Et la Cour, 6 ans plus tard, a dit non, 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 même si tu le donnes aux autres, ça veut rien faire aux jardiniers. Donc c'est la même inconstitutionnalité que vous avez remis. Et ici, la Couronne a dit à la Cour suprême du Canada, dans la Cour Svetkopoulos, « Oh non, si vous avouez que l'exemption était morte depuis qu'on l'a remis en 2003, jusqu'à qu'on l'a corrigée cette année, mars le 4, ils vont dire que la prohibition était morte en même temps comme la dernière fois. » Oui. Et là, quelle accusation qui tombe? 400 000. So I explained again that it was Sean Godet, the Crown Attorney, who told the Svetkopoulos case that, oh no, if you say the exemption's been bad for the last 6 years, it's going to mean that like the first time it was bad, the prohibition's been bad too. So, this is the Godet goody, I call it, and I'm going to read it. Paragraph 33, where he said, the court in R versus JP ruled that the combined effect of Parker and Hitzig meant there was no constitutionally valid marijuana possession offense between July 31st, 2001 and October 7, 2003. The MMAR were constitutionally rectified by the decision in Hitzig and finally made to work. Courts may construe the Federal Court of Appeals decision in Svetkopoulos as creating a similar period of retrospective invalidity dating back to December 3rd, 2003, the date that Section 41 was reintroduced into the MMAR. Yes, that's our case, coming up on Wednesday. Et avec les premiers 4000 la dernière fois, pas 100 000 accusations. Oui. Well, pas des accusations, des convictions. Des accusés qui ont été trouvés coupables pendant que la loi était morte. La première fois, les 2 heures pendant que c'était mort, j'ai dit, OK, il y avait à peu près 4000 accusations par mois. Et vous avez laissé tomber 4000 accusations en un mois. Bon, pendant les 2 autres années, les autres 25 mois, qu'est-ce que vous avez fait avec les 100 000 personnes qui ont reçu des sentences de coupables? Est-ce que vous allez effacer ça? I'm pointing out here that people who were convicted in the first 2 years, when they admitted the law was dead and dropped the 4,000 charges but didn't erase the bogus convictions, and people who were convicted in the 6 years after that, when they reinstalled those limits that were unconstitutional, all of them got bogus convictions and can be appealing.
Alors là, vous vous promenez et vous rencontrez un paquet de personnes accusées. Non, certaines sont en détention. Oui, oui, détention ou des personnes qui ont été accusées, trouvées coupables. Et nous commençons donc des appels à la cour d'appel en disant que la couronne Sean Godet à Ottawa, au ministère de justice, c'est lui qui a avoué à la Cour suprême du Canada. Oh non! Est-ce que vous vous rappelez pas que la dernière fois que l'exemption faussée pendant 2 ans, il a fallu laisser tomber toutes les accusations? Ou si vous dites encore que l'exemption, ça fausse encore, il n'y a pas de lumière verte, et on dit qu'il n'y a pas de lumière rouge non plus. Encore une fois, oui, c'est ça qu'on fait. Donc, si on est en prison, si on est trouvé coupable, n'importe quoi, si c'est pas possession de cultivation, de, oui, et culture, si, que dans si, production. Si c'est ces deux accusations-là, si c'est dans le premier 2 ans ou les autres 7 ans hein, après, la couronne a admis qu'il n'y avait pas d'exemption et donc il n'y avait pas de prohibition. Donc comment ça se fait qu'il continue à accuser, trouver coupable, une cause entre les mains à contester? Et nous accusons les couronnes de contempt of court, de l'outrage au tribunal. So I ended with, if Sean Godet admits the law is dead, why are they continuing the prosecution of people in those years when the MMAR wasn't working? So that's why we're going after the Crown attorneys for contempt of court, for making the sucker courts enforce a law that the Crowns know is dead. And for the record, there is my 20-page application to quash in the foreground, and 1,000 pages of Crown attorney response that's going to be used on Wednesday, March 9th in James Turner's case in Ottawa.